espoir de me faire entendre, notamment. Je sais que je le fais à y ajouter ce que cela comporte d'inconscient. C'est là mon avantage sur l'homme qui pense et n'aperçoit pas que d'abord il parle. Avantage que je ne dois à mon expérience, car dans l'intervalle de la parole qu'il méconnaît dans ce qu'il croit faire penser, l'homme s'embrouille, ce qui ne l'encourage pas, de sorte que l'homme, d'autant plus débile âge, justement, de s'embrouiller. Il y a un problème de l'école. Ce n'est pas une énigme. Aussi, je m'y oriente point trop tôt. Ce problème se démontre d'avoir une solution, c'est la dissolution. À entendre comme que l'association qui a cette école donne statut juridique, qu'il suffise d'un qui s'en aille libre, c'est dans le nœud borroméen vrai de chacun, il faut que ce soit moi dans mon école qui m'en aille. Je m'y résous pour ce qu'elle fonctionnerait si je ne me mettais en travers à rebours de ce pourquoi je l'ai fondé. Soit pour un travail, je l'ai dit, qui dans le champ que Freud a ouvert, restaure le socle tranchant de sa vérité, qui ramène la praxis originale qu'il a instituée sous le nom de psychanalyse, dans le devoir qui lui revient dans notre monde, qui par une critique assidue y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès en dégradant son emploi. Objectif que je maintiens. Moi, je dissous et ne me plains pas des 10 membres de l'école freudienne, plutôt les remerciais-je pour avoir été par eux enseignés. Tout moi, j'ai échoué, c'est-à-dire me suis embrouillé. Cet enseignement m'est précieux, je le mets à profit. Autrement dit, je persévère et appelle de recherche à s'associer ceux qui, ce janvier 1980, veulent poursuivre avec Lacan. Que l'écrit d'une candidature les fasse aussitôt connaître de moi dans les 10 jours, pour couper court à la débilité ambiante, je publierai les
deviennent aigris. L'international, puisque c'est son nom, se réduit au symptôme qu'elle est de ce que Freud en attendait, mais ce n'est pas elle qui fait poids, c'est l'Église, la vraie, qui soutient le marxisme de ce qu'il lui redonne sans nouveau, d'un sens renouvelé. Pourquoi pas la psychanalyse quand elle vire au sens? Je ne dis pas cela pour un vain persiflage. La stabilité de la religion vient de ce que le sens est toujours religieux. D'où mon obstination. Dans la voie de ma thèse, qui n'empêche rien, mais témoigne de ce qu'il faudrait pour l'analyse le mettre au pas de sa fonction. Si je perds sévère, c'est que l'expérience fait appel contre expérience qui compense. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Et il y a du monde dont je n'ai pas besoin. Je les laisse en plan pour qu'ils me montrent ce qu'ils savent faire, hormis m'encombrer et tourner en eau un enseignement où tout est pesé. Ceux que j'admettrai avec moi feront-ils mieux? Au moins pourront-ils se prévaloir de ce que je leur en laisse la chance. Le directoire de l'EFP, tel que je l'ai composé, expédiera ce qui se traîne d'affaires dites courantes jusqu'à ce qu'une assemblée extraordinaire la dernière, convoquée en temps voulu conformément à la loi, procède à la dévolution de ses biens qu'auront estimé les trésoriers René Bailly et Solange Paladé. Voilà ce que j'ai signé de mon nom, Jacques Lacan. À Guitrancourt, ce 5 janvier 1980. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mm-hmm.